Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Et moi, je vais bien, à part que j'ai une voix dégueulasse, que je suis malade. Voilà, bonjour, bonjour. Alors, mauvaise nouvelle. En fait, tout à l'heure, j'ai record une vidéo. J'ouvre vos cadeaux. Et j'avais ouvert les cadeaux des movie stars qui avaient les yeux fermés, en fait. Et petit souci technique, j'ai pas le son. Du coup, j'ai gardé la vidéo et je vais juste vous poser une question. Est-ce que, bon, ce serait dommage quand même que je supprime la vidéo. Est-ce que vous voulez peut-être soit que je la mette quand même en ligne, mais avec une musique de fond et un accéléré? Ou est-ce que vous souhaitez que je recorde juste ma voix au-dessus qui parle, mais du coup ce sera un petit peu moins en raccord avec la vidéo? Et que je la poste quand même, ou tout simplement que je ne la poste pas, mais c'est quand même dommage pour les movie stars qui sont passés dans la vidéo, et pour les petits cadeaux, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que mon style est assez, voilà, différent de ce que, comment je suis d'habitude aussi. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous voudriez. Et du coup, vu que je vais pas réouvrir les cadeaux des personnes aux yeux fermés, puisque bon, à part les nouveaux cadeaux qui viennent d'arriver, pendant plusieurs pages, bah, y aura pas de movie avec les yeux fermés, puisque je viens de le faire. Mais là, aujourd'hui, je vais ouvrir les cadeaux verts, voilà, verts. Et peut-être une prochaine fois, ce sera les cadeaux rouges, je ne sais pas. Comme ça, on va faire vert et rouge, les couleurs de Noël, bref. Et ben, écoutez, c'est parti, on va faire les cadeaux verts. Du coup, j'aurais ouvert beaucoup de cadeaux aujourd'hui, puisque tout à l'heure j'en ai ouvert, et là je vais ouvrir. Donc comme d'habitude, si je rate des cadeaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de me marquer non plus à quel temps de la vidéo j'ai oublié d'ouvrir un cadeau vert, puisque des fois, je suis pas la seule à confondre les couleurs, hein, on va dire. ça vous arrive aussi, donc j'aime bien quand même aller vérifier... comment ça se passe là, par exemple, ça fait un bleu-vert. Bon, je vais l'ouvrir parce que sinon on sait jamais... Voilà, ça fait un bleu vert, mais bon, hein, je sais qu'après je me fais engueuler, donc je préfère ouvrir de trop que pas assez. Et comme ça, tout le monde est content, et il n'y a pas de souci. Alors, je crois que mon chat a chié. Petit chat? Il est où le petit chat? Et j'appelle petit chat, c'est le chien qui arrive. Non, parce que ça sent pas bon là, ça sent vraiment pas bon, il aurait pas pu attendre que je finisse ma vidéo pour aller... pour aller faire caca dans sa litière. Alors, est-ce que vous avez des chats? Est-ce que parmi vous, vous avez des chats? Si vous avez des chats, les gens, est-ce que, quand vos chats vont à leur litière, c'est une bombe à retardement? Moi, je vous jure, mon chat, c'est une bombe à retardement. Hein. Quand il va à la litière, c'est une bombe explosive, hein, je vous le dis. Hein. C'est une bombe nucléaire qui lâche, hein, c'est pas possible. Et pourtant, au niveau de l'alimentation, ça va, il mange pas des cochonneries, il mange toujours ses croquettes habituelles. De toute façon, il veut pas manger d'autres croquettes, j'ai déjà essayé d'autres croquettes, il veut pas. Et du coup, bah, quand il va à sa litière, bah, je sais déjà que s'il se met en position de guerrier, je pousse, bah, je sais que ça va puer dans tout l'appartement juste après. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai des petits sachets à crottes, ouais, je sais, je raconte ma vie. Mais j'ai des petits sachets, on va dire, c'est des petits sachets pour... normalement, quand on sort le chien, vous avez des sachets que vous pouvez acheter, soit qui sont déjà dans les parcs gratuitement, soit que vous pouvez acheter dans les magasins animaliers ou dans les rayons animaliers. Et merci, Rap, c'est cool, merci beaucoup à toi pour ta salutation, c'est super gentil, merci beaucoup. Merci. Et du coup, j'utilise ces sachets-là pour nettoyer la litière de mon chat à chaque fois que mon chat échit. Voilà, je prends la petite pelle et puis je mets dans le sachet pour les crottes de chien normalement. Et puis voilà, je jette. Comme ça, ça puera genre 2 secondes dans la salle de bain, mais l'odeur n'aura pas le temps d'aller dans tout l'appartement. Et du coup, voilà. Mais là, vu que je suis en vidéo, je peux pas le faire. Bon, je vais pas couper pour aller faire ça. Je ferai à la fin de la vidéo. Mais voilà. Bon, cela, est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on ouvre? Allez, on ouvre quand même cela. Ça reste des cadeaux verts quand même. Donc on va les ouvrir quand même. Voilà. Par contre, si le ruban est vert, bon, le cadeau en lui-même n'est pas vert, donc on ne les ouvrira pas, même si je ne pense pas qu'il y ait des cadeaux. Je sais qu'il y a des cadeaux violets, verts, non? Je sais plus. Bref. Et du coup, ben voilà. Ben voilà. Celui-là, je ne porterai pas. Alors, là, ça fait du vert. Là, c'est du bleu. Hein. On est d'accord, c'est du bleu. I am not folle. Coucou, Kinzel. Accepte-moi le coucou à toi.
Et attendez, non, reviens. Attendez, stop, stop, stop. Celui-là, je l'avais pas ouvert. Je reviens en arrière et je l'ouvre. Je l'ai ouvert, ok les gens, je l'ai ouvert. Bon, je vais pas le porter non plus, parce que bah, les trucs que je reçois très très régulièrement comme ça, je pense que je ne les porterai plus trop, quoi. Ou comme les cadeaux starter et ce genre de choses, je ne pense plus les porter. Bah, j'ai mes deux animaux qui sont avec moi. Bah alors, petit chat, ça va? Ça s'est bien passé aux toilettes? Ça va, t'as pas trop déglingué l'anus? Hein? Tu veux pas utiliser du désodorisant après? Hein? Petit chat. Il s'en bat les steaks. Il est avec le chien, ils font leur vie tranquille. Il y a le chien juste à côté là. Je suis en train de le gratouiller en même temps en ouvrant les cadeaux. Et le chat sur la table. Et ils sont tous les deux en train de regarder le vide. En train de faire le bilan de leur vie. Bon, vu qu'il y a il y a une petite teinte verte, là on va quand même ouvrir. Voilà. Hop. On sait jamais quand même. Là, on ouvre. Voilà. Et là, il n'y a rien à ouvrir. On va dire que c'est pas les cadeaux les plus que je reçois le plus, les cadeaux verts. Je dirais les cadeaux que je reçois beaucoup, c'est quand même les cadeaux, je pense, bleus. Noir, blanc, enfin blanc non ça va en fait les blancs, j'en reçois pas tant que ça. Ouais, bleu, noir, ce genre de cadeaux je reçois assez régulièrement. Ouais, je dirais les noirs quand même. Hein. Regardez, il y en a pas mal des noirs. Ah, un cadeau bien vert, vert émeraude. Bien vert, vert, vert. Flowery. Compliqué à le dire en anglais, hein. Ne vous moquez pas, ok. Ok, un cadeau comme ça, qui est dans un cadeau vert et rouge. Bah, elle est très belle la robe. Mais je m'attendais pas à une robe blanche sortant d'un cadeau vert. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le cadeau prend la couleur de l'objet qui est à l'intérieur. Oh, nice. Voilà, petit sapin. Petit sapin. Et on revient à un look assez de base. Bon, normalement j'avais quoi? Maintenant je sais plus. J'avais aussi un pull de Noël. C'était lequel? Oh là là! Vraiment mémoire de poisson rouge. Je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus. Bon, allez, on va les porter. C'est dans le thème, hein. C'est dans le thème. Donc on le porte. C'est vrai que là je vois de plus en plus de movie stars qui portent des tenues de Noël. Et ça c'est cool parce que moi j'aime beaucoup l'ambiance Noël. D'ailleurs, dites-moi. Si vous aimez la fête de Noël, parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui aime, moi c'est une de mes fêtes préférées de l'année. Et du coup, bah, dites-moi laquelle d'ailleurs c'est votre fête préférée, si ce n'est pas celle de Noël, c'est laquelle? Parce que moi, c'est celle que je préfère. Nexio, toi t'étais bébé hein, l'année dernière à Noël. T'étais un petit bébé Nexio. Hein. Ouais, c'était un bébé Nex l'année dernière. Oui, Nex, tu peux me regarder, je parle de toi. C'était un petit bébé encore et du coup il faisait plein de bêtises et maintenant il fait toujours autant de bêtises, je comprends pas. On va l'ouvrir, ça fait un peu vert marron, je sais pas trop, je préfère l'ouvrir, on sait jamais. Alors là c'est vraiment du bleu. En vrai le cadeau bleu. Non, aujourd'hui c'est le cadeau green. Alors on continue, cadeau vert, mais les cadeaux verts, on va dire j'aime bien, mais le problème c'est les cadeaux comme ça en fait. Je sais pas pourquoi, j'aime pas ces cadeaux. Je sais pas pourquoi, parce que souvent c'est... voilà, exactement. C'est soit des têtes de robots, soit des trucs, on va dire que j'ai déjà énormément. Et des fois je crois que c'est des animations aussi. Et quand c'est des animations, bah ça va, c'est bien encore. Je reçois pas beaucoup d'animations d'ailleurs. Je reçois vraiment pas beaucoup. Mais bon. Alors... cadeau vert. Ah, cadeau des... Est-ce que je l'avais fait ça, le cadeau des... J'ouvre les cadeaux des personnes chauves. Il me semble que je l'ai fait déjà. Il me semble que je l'avais fait parce qu'on me l'avait beaucoup demandé et du coup je ne sais plus si je l'avais fait ou pas. J'avais fait des chasseux des délétés d'useurs. Mais après il y a des gens qui sont pas délétés d'useurs et qui sont chauves. Et bah du coup ça ouvre... Enfin, en même temps, quand je crois que quand j'ai fait j'ouvre vos cadeaux, enfin des personnes chauves... ça prend en compte les délétés d'useurs, parce que souvent les délétés d'useurs ils sont chauves. D'ailleurs pourquoi ils sont chauves? Parce qu'avant de supprimer ils récupèrent toutes leurs affaires je crois. Hein. Ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça je pense. Sinon je vois pas pourquoi.
Ouais, on a mis ça. Oh mince, avec la jupe, ça fait pas. Mais en soi, la robe, elle fait quand même esprit de Noël, quand même, un petit peu. Ça va bien avec le reste. Ça va bien avec le reste. Bon, j'ai pas trop trop déglingue le look par rapport à... Ah, un petit Vermont. Un petit vert pastel. Oh, ça c'est mignon. Ça c'est mignon. Et on continue. Oh, ça va, le chien il s'est couché. Comment il est? Vous êtes mignon, les loups. Des fois j'ai l'impression que le chien et le chat ils se surveillent entre eux. Oh, stuck on you. Oh, ça je le mettrai pas dans ma chambre parce que c'est trop flippant. Mais je l'avais pas, je crois. On va essayer d'ouvrir un dernier petit cadeau de Noël, puisqu'après, il va falloir que j'aille nettoyer le caca de petit chat dans sa litière. Un petit chat. En fait, petit chat, il est venu et puis bah, il attend que j'aille nettoyer, c'est ça? Il est venu me dire, oui, Crinzel, j'ai fait un gros caca dans ta litière, est-ce que tu peux aller nettoyer, s'il te plaît? Allez, humaine, va me nettoyer ça. Allez, humaine, dépêche-toi. Ok, ah non, on va ouvrir un dernier cadeau. C'est la fille qui a encore envie d'ouvrir des cadeaux. Ouais, mais c'est trop bien d'ouvrir les cadeaux. C'est trop bien. Voilà. Dernier cadeau. Hop. Et c'est des chaussures de lutin. On adore. Allez, encore un dernier cadeau. En fait, j'ai envie de changer le haut parce que le haut me stresse à rentrer dans le gilet. Mais je rigole, c'est pas un haut le prochain cadeau vert. Et là, bah... Ouais, non, je pense pas que ce sera un haut quand c'est des cadeaux comme ça. Ah. Bah merci, c'est le cadeau de l'event d'Halloween. Allez, encore un. Allez, il nous faut vraiment un truc pour remplacer ce haut là. Ça ne va plus. Oh non, encore un cadeau. Vous voyez, ces cadeaux là, c'est ce que je... Merci beaucoup. Il me semble que ça, c'est des chaussures de Pâques. Merci beaucoup. Mais je vais pas les mettre parce que c'est vrai que les chaussures de lutin, ça va beaucoup mieux avec mon look. Mais là, faut que je trouve un haut. Oh non, encore un cadeau comme ça. Ah. Bah écoutez, on va le mettre, hein, tant qu'à faire. Ça va bien avec la coupe, hein, tant qu'à faire. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous gardez pas vos affaires des events? En plus, celui-ci, il était sympa, ce cadeau d'event d'Halloween. Franchement, j'ai bien aimé les cadeaux qu'on a reçus pour l'event d'Halloween. Je trouve que c'était mieux que l'année dernière, en tout cas. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai trouvé que c'était mieux l'année dernière. Ok, on va ouvrir les deux derniers cadeaux, là. Allez, on va le mettre. Avec le on voit quand même le truc du chat. Oh, j'espère que tu l'as pas. Attends, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est pas un rare de l'année dernière ou un truc de genre là? Je ne sais plus, mais en tout cas merci. Hein, ça fait très l'ambiance de Noël. Tant pis pour le haut, on va laisser comme ça. Mais ça me dit quelque chose, ça, le haut du truc. Je sais pas si je l'ai ou je l'ai pas, ou si je l'ai vu sur quelqu'un, ou est-ce que je l'ai, mais du coup j'ai l'impression de ne pas l'avoir parce que je l'ai vu aussi sur quelqu'un. C'est assez ambigu. Mais en tout cas, merci à tout le monde pour vos cadeaux. Je fais de très très gros bisous. Et puis moi, je vais aller nettoyer le caca de chat. Hein. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous. Ciao, ciao. We'll be chilling and having a good, good time.